Bonjour, entreprise Prochain et Frères. On vient de s'entasser dans le 2-4. Nous, on s'est dit, bon, la ferraille, ça marche plus. En ce moment, il ne faut pas se voiler la face. Donc, on s'est dit, nous, on va faire la foraille. On s'est dit, ferraille, oreille, voilà pour les gamins. Et après, on est tombé sur les gens de la Rose School, là, les Bordelais. Là. Et donc, eux, ils ont fait un appel à projet. Ils ont dit, voilà, nous, on s'est dit, bah, on a tout ce qu'il faut. On a de la ferraille, on a de l'oreille, on va te faire un petit truc voilà, pour les gamins, quoi. Pour qu'ils comprennent comment que ça marche, les feuilles. Oui, voilà, que ça comprenne comment que ça marche l'oreille, comment que ça marche le son. Oui. Et puis, surtout, qu'ils fassent attention à leurs oreilles, quoi. Alors là, c'est comment? Qu'est-ce que c'est fichu dans l'oreille? Alors, le matin, comment tu prends ta douche pour te laver, tu prends ton petit doigt, tu le mets dans ton oreille. Tu fais un quart de tour vers devant, un quart de tour vers derrière. Et là, c'est propre. C'est un peu amer, mais c'est propre. Ça s'adresse plutôt à partir du CM1, CM1, CM2 et jusqu'au lycée et famille. C'est quand même assez large, en sachant qu'on réadapte un petit peu pour CM1, CM2. Voilà, et puis lycée, donc lycée pro. Étape numéro 2, là. Le projet, c'était qu'il fallait s'adresser à des lycéens. On s'est dit, attends, c'est pas des bisounours, hein. Donc, on va faire un truc. Il faut pas qu'on fasse un truc moralisateur, là, leur faut dire. Pas qu'on soit pour maman, pour. Ouais, eux, ouais, hein. Là, faut pas faire ci, faut pas faire ça et tout. On s'est dit, on va essayer de les choper en les faisant rigoler. En faisant ricaner, quoi. Ouais. C'était une pièce de théâtre, pour moi, avec de la prévention dedans et de la musique. On a vu le fonctionnement de l'oreille et tout, et les risques que pouvait comporter. Une exposition à trop forte, à un trop fort volume. Si on arrivait avec un discours moralisateur, ça marcherait pas. Donc voilà, plutôt une forme ludique, essayer voilà, qu'ils passent un bon moment et leur diffuser quelques informations durant le spectacle et pendant le débat qui suit le spectacle. Là, tu vois par exemple, le premier rang, leurs feuilles, leurs oreilles, on est à combien en termes de volume? Hop là! Là, on est à 105 dB là maintenant! Les informations qu'on doit leur faire passer, c'est surtout de gérer leur temps d'écoute, leur niveau d'écoute aussi, de penser à prendre des protections quand on sait qu'on va être exposé dans les salles de concert, discothèques ou même chez soi quand on passe la tondeuse. Protection! Les bouchons, les amis! Et puis moi aussi d'ailleurs! Les bouchons, normalement, ils sont censés protéger les oreilles et réduire le son de 25 décibels. Mais voilà, ils sont moins couillons que vous. Enfin, c'est une foraille, une oreille fabriquée de la ferraille. Mais regarde, oui, le son, il rentre comme ça, par le pavillon externe, directement dans le conduit auditif, qui est tapissé de... Jean-Louis, va me chercher les rideaux de mamie. Tiens, ben, Mimi, je fais des petites peurs pour faire les cellules. Voilà, les petites cellules ciliées qu'on représente par les peurs de Micheline. Et ces petites cellules, elles vont être excitées. Vas-y, Jean-Louis. Et là, hop, un flux nerveux au cerveau. On pourrait essayer une autre expérience, tiens. Si on mettait tous ces sons-là à fond, toutes ces nuisances en même temps dans la forêt, mais pendant une durée d'écoute, quoi, d'exposition au son, quoi, de 12 heures. Les partenaires principaux sont l'Agence régionale de santé, la Rock School Barbet qui produit le spectacle, en fait, qui le diffuse. Ensuite, il y a la Mutualité française, Mutuelle des étudiants. Et après, bah, des salles dans lesquelles on a travaillé, on a créé le spectacle. La Rock School Barbet est le relais en région de l'association Agissons, qui est une association nationale. Donc c'est une association professionnelle de la musique qui agissent dans la prévention des risques auditifs. Et c'est aussi par notre intermédiaire que l'ARS finance ce spectacle. Le spectacle tombe depuis 2009, donc on fait à raison de 25 dates par an, donc ce qui représente à peu près 40 représentations, donc ça fait à raison de 100 élèves, donc on touche 4000 élèves dans l'année. Je crois pas qu'on pourrait être sourd comme ça, juste avec des couverts, c'est tout. Je crois qu'il m'a retrouvé sourd à 40 ou 50 ans, que oui, je veux bien baisser le volume.